La violence. Pensez-vous que les Black Panthers soient des gens violents? D'abord, là aussi, il faudrait sans doute définir le mot, parce qu'on s'en sert maladroitement. Ils se défendent. Ils se défendent. Eh bien, quand les policiers abattent quatre jeunes gens qui ont manifesté contre la guerre au Cambodge, le président Nixon, je l'ai lu hier, condamne la violence. La violence de qui? Des policiers? Pas du tout. La violence des étudiants, et donc des étudiants tués. Alors, comment on emploie le mot? Si un noir rouspète simplement, comme l'a fait David Hilliard dans la cour de justice de New Haven, il est condamné à 6 mois de prison. Mais quand un blanc comme moi, qui a fait les mêmes choses que lui, à côté de lui, et est tout simplement prié de sortir de la cour, comment appelez-vous ça? Est-ce que vous croyez qu'il est possible pour l'Amérique, pour le monde entier, de vivre dans une société meilleure après toutes les injustices que nous voyons, que toutes les injustices dont vous venez d'être le témoin, notamment? Un monde meilleur, ça fait partie du vocabulaire habituel des dames patronesses. Un autre monde, en tout cas, un monde différent. Comme... Oui, meilleur pour qui? Meilleur pour les Noirs? Oui, je le pense. Meilleur pour les capitalistes? Non, ça a l'air de leur convenir. Mais meilleur pour les Noirs, meilleur pour les gens, pour les minorités dominées par les États-Unis, je l'espère. J'en suis sûr même.